dis, tu as le choix. Je ne sais pas, je ne sais pas. Me dis, ça dépend de toi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis né et que les choses se sont enchaînées. On me dit, il faut s'accrocher. Depuis que l'homme est l'homme, innombrables sont les êtres humains qui se sont consciemment mis en quête de l'essentiel, ont cherché à se relier au plus grand. Gilles Farset est ni plus ni moins que l'un d'entre eux. À la croisée des influences, il a été marqué par une approche traditionnelle de la voix en même temps que par le blues, et plus généralement la culture américaine, avec son mythe de la frontière, horizon neuf toujours en recul, et métaphore du territoire intérieur à défricher. Jalonné de grandes rencontres sur trois continents, son parcours s'articule entre la France, l'Amérique du Nord et l'Inde. Image d'un voyage au long cours, atypique et surprenant. Hommage à de grands pionniers des plaines intérieures. Le jeune homme vénère les hommes de génie parce qu'ils sont davantage lui-même qu'il ne l'est. Emerson. Quand commence vraiment une histoire? Débutons celle-ci dans le premier sanctuaire de l'adolescent, dont les murs esquissent un possible chemin. Mon copain Philippe gratte le répertoire de Dylan dont il est un adorateur. Il m'initie ainsi à un univers, presque une religion, la dylanophilie. À la fois peuplé d'images visionnaires héritées de Rimbaud, de clichés américains et de fulgurants surréalistes, les chansons de Dylan sont une forme d'art populaire qui dit à un grand nombre la vérité du réel. « Je suis vaste, je contiens des multitudes », proclame Walt Whitman. La masse des hommes vivent une vie de désespoir tranquille. Je voulais vivre consciemment, je voulais vivre profondément, et sucer toute la moelle de la vie, mettre au rebut tout ce qui n'était pas la vie, et ne pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Henry David Thoreau. Je me passionne pour un artiste multidimensionnel nommé Jodorowsky, dont un article de Rock'n'Folk m'a révélé l'existence. Comment pourrais-je imaginer que 10 ans après l'année de mon bac, je co-signerais 2 livres avec lui? Quand j'étais en terminale, j'ai proposé un exposé sur la Beat Generation. Nous avons commencé à déclamer un passage du fameux poème de Ginsberg, Howl, où il proclame que tout est sacré. Donc sacré, sacré en anglais, holy, holy, holy. Une autre scène prend place au moment où chacun se voit sommé d'énoncer son option éducation physique au bac. Je ne nourris que mépris pour cette gym qui, à mes yeux, relaie les valeurs tant vomies de compétition. J'hésite quelques secondes et c'est alors que le prof m'apostrophe. « Alors Coco, tu te décides? On n'est pas ici pour faire de la poésie. » L'injonction a le mérite d'être claire. Pas de poésie. De l'horizontal, du gris, du plat pays, du concret. Haro sur toute verticalité. Le sacré, c'est bien de cela dont l'adolescent a tant soif. Il souffre d'une insuffisance spirituelle aiguë. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé vraiment à faire du yoga. J'étais pas tellement intéressé par la dimension des postures, etc., qui m'apparaissait plus comme un prétexte. J'étais surtout intéressé par la philosophie. Puis un ami me raconte s'être fait initier à la méditation transcendantale, une technique simple, à base de mantras, qu'il s'agit de pratiquer 2 fois 20 minutes par jour. Je décide sur le champ de le suivre sur cette piste. Voilà ce que j'attendais. Une pratique concrète. Un chemin balisé vers l'intériorité. Maharishi Mahesh Yogi, gourou entre autres des Beatles, a fondé cette forme de méditation.
Maharishi Mahesh Yogi, en fait, n'était pas le premier venu. C'était un authentique disciple d'un grand maître indien. There are seven states of consciousness, and each level of consciousness has its corresponding world. If one is not educated to unfold the full creative potential of consciousness, then one would not live complete life. Not living complete life will be living ignorance, not enlightenment. Beaucoup vilipendés depuis dans les médias, à l'instar de tant d'autres mouvements de pop spiritualité éclos dans le creuset des années 70, et définitivement rayés de la carte de la respectabilité en se voyant qualifiés de secte, la MT s'avère dans sa réalité bien plus complexe et digne d'intérêt que ses caricatures. En puisant dans sa tradition indienne pour proposer à l'Occident pressé une version light, mais néanmoins authentique de la méditation, le petit homme aux allures de Père Noël brise les règles et met sur le marché une technique jadis réservée aux initiés. Parallèlement à mes études universitaires, j'ai aussi commencé à faire une formation d'instructeur de méditation transcendantale. En fait, ça consistait en deux retraites de 4 mois chacune. Malgré tout, à 21-22 ans, partir 4 mois vivre entre hommes, dans une vie assez monastique finalement, en méditant 5 à 6 heures par jour, en étudiant les écritures, c'est quand même quelque chose qui a laissé en moi des empreintes importantes. Dans le cadre de l'obtention d'un poste d'enseignant au Maharishi International University aux États-Unis, je dois improviser un cours sur un sujet de prédilection. Je choisis l'un des personnages phares de mon panthéon, Henry David Thoreau. Rather than love, than money, than fame, give me truth, he exclaimed. And for him, truth couldn't just come through books. Just the same, Thoreau only believed in direct experience. The author of Walden didn't care to be merely a professor of philosophy. There are nowadays professors of philosophy, but not philosophers. Yet. C'était un écrivain et un intellectuel comme il en existe peu dans la culture française, typiquement américain. Donc c'est quelqu'un qui se rattache, qu'on a rattaché ensuite au mouvement dit des transcendantalistes, qui est un mouvement fondateur de la culture américaine. Donc Emerson, Walt Whitman, Thoreau sont les trois noms les plus connus. Et Thoreau m'a bouleversé parce que c'est quelqu'un qui a constaté que la plupart des êtres humains vivent ce qu'il appelle une vie de désespoir résigné, de désespoir tranquille. Le premier chapitre de son livre s'appelle « Économie » et il développe en gros l'idée que quand quelqu'un possède une maison, c'est plutôt la maison qu'il possède. Il dit « tous les fermiers, etc. autour de moi vivent une vie misérable, hantée par les soucis matériels ». C'était quelqu'un qui se refusait à prendre quoi que ce soit pour acquis, qui considérait qu'il fallait se mettre face à toutes les convictions, à tous les préjugés, à tous les postulats qui fondent la société et la conduite de la vie ordinaire, et les passer un à un au crible pour voir finalement ce qu'il en restait et être capable de discerner et de véritablement voir par soi-même ce qui valait la peine d'être vécu, mais de ne pas vivre une vie non délibérée. For him, the most interesting form of travel was the inner exploration. The discovery of the inner wonders of consciousness. Consciousness was in fact Thoreau's frontier, the virgin land he set out to conquer. He needed some quiet and privacy, a place where he wouldn't be disturbed and where he could have a routine maximizing his growth. He only felt that this solitary life would give him enough strength to then be able to go back to the world. Thoreau emménage dans une cabane construite de ses propres mains sur la rive de l'étang de Walden. Il y demeurera 2 ans, à l'écoute de lui-même et de la nature. Cette expérience lui fournira la matière de son livre, Walden. That these hours devoted to meditation were not wasted, but on the contrary, were essential for his personal growth. Thoreau even had flashes of unity, perceiving each element in nature as a part of himself. Il
Il dit, des gens me disent que je suis seul, parce qu'il est tout seul dans les bois. Hein. Et il dit, en fait, un jour où je commençais à me sentir seul, tout au début de son expérience, il dit, je me suis rendu compte qu'il y avait tout autour de moi les feuilles, les arbres. Et il s'est dit, mais je ne suis pas plus seul que le brin d'herbe. Je ne suis pas plus seul que la feuille ou la goutte de rosée qui est insérée dans l'univers, dans le cosmos. Et alors après, quand il a commencé à lire les textes hindous, il y a tout de suite retrouvé son expérience. Chaque matin, il se baignait dans l'étang près duquel il vivait. Il disait, c'est comme se baigner dans le Gange, c'est une purification. Et il disait, c'est comme se baigner dans la Bhagavad Gita. Chaque matin, je baigne mon intellect dans la philosophie de la Bhagavad Gita. Les Américains aiment bien son côté individualiste, cosmique, qui essaye de s'unir aux forces de la nature. Il y a le rêve du paradis perdu, du trappeur, tout seul dans les bois, avant que la grande vague industrielle déferle. Et puis, dans les années 60, ce loi a été très important pour beaucoup de jeunes qui cherchaient à retrouver un style de vie plus proche de la nature, qui cherchaient une spiritualité proche de la spiritualité orientale, mais vécue dans leur tradition occidentale. La loi de la route ouverte me fera prendre un tout autre chemin que celui d'instructeur de méditation transcendantale. Je ne saurai jamais assez gré à Maharishi et son mouvement de ce qu'ils m'ont fait découvrir. Seulement voilà, je me rends bien compte que les méditations, les programmes de Siddhi et autres techniques avancées ne me rendent pas moins infantile, voire participent de mon besoin de reconnaissance. Cette prise de conscience graduelle ne relève pas d'une dichotomie blanc-noir qui me ferait brûler ce que j'ai adoré. Oui, la MT n'est pas n'importe quoi. Elle a sa valeur en tant que technique. Cependant, outre que je suis un peu perplexe face au gouvernement mondial de l'âge de l'illumination, je me pose de sérieuses questions quant à la suite de cette recherche spirituelle. Mûrissent en moi la conscience de ne pas être encore réellement disciple d'un maître et le sentiment de la nécessité absolue d'une telle relation. Je me replie à Angles sur l'Anglin, où mes parents possèdent une maison, pour me consacrer à ma thèse sur Thoreau. J'ai pu en fait m'offrir le luxe d'une expérience à la Thoreau, c'est-à-dire d'aller vivre dans cette maison, et là de m'y consacrer à l'écriture, dans une existence qui effectivement était assez inhabituelle pour un garçon de 22-23 ans. C'était vivre toute l'année, l'hiver, dans ce village, et vivre en fait une existence extrêmement méditative et réglée. Je commençais la journée par une longue méditation, au moins une heure. Après quoi, donc, il y avait une promenade dans la pure tradition de Thoreau, en essayant d'appliquer les indications données par Thoreau dans ses essais sur la marche, comment il était important d'utiliser la marche comme une forme de méditation, de laisser passer les pensées. En fait, c'était une méditation ambulatoire. Et puis ensuite, je me mettais à ma table pour écrire ma thèse, mais c'était aussi vraiment un apprentissage de l'écriture, de quelque chose qui fait partie de ma vocation. Je me souviens que j'étais déchiré par cet appel vers une vie mystique, spirituelle, mais en même temps, je sentais que je n'étais pas fait non plus pour être un moine, ou pour être un contemplatif avec un grand C, quelqu'un qui se retire dans une grotte ou dans un monastère, que j'avais aussi envie d'expérimenter l'existence. Autant l'Orient m'avait apporté, autant je me rendais compte que j'étais un occidental, que je n'étais pas un hindou ou un japonais, etc. Et que je voulais apprendre auprès de quelqu'un qui aurait vécu les mêmes expériences que moi. Pas exactement les mêmes, mais qui aurait été élevé dans un contexte proche. Et à ce moment-là, j'ai repris un livre d'Arnaud Desjardins. Ça m'a parlé parce que, à travers ce livre, j'ai senti la voix d'un homme qui justement avait vécu ces déchirements, qui vivait en France, dans ce contexte qui était le mien, qui avait vécu à Paris, qui avait une famille, et qui donnait l'impression d'avoir véritablement été jusqu'au bout de sa recherche, qui s'était ouvert à une dimension transcendante, qui maintenant faisait partie de son existence et qui témoignait de cela. La spiritualité
qu'il prônait n'était pas une fuite, c'était avant tout une réconciliation avec le réel. J'entrevois qu'il ne s'agit plus seulement d'une pratique circonscrite en un moment et en un lieu, nécessitant un ensemble de conditions. Pour méditer, il faut disposer d'un certain temps et d'un espace tranquille pour s'y asseoir. Non, ce dont parle Arnaud Desjardins ne relève pas d'une pratique, mais de la pratique. Un positionnement intérieur à la fois très fin et extrêmement précis qu'il s'agit de chercher et d'adopter en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps, ici et maintenant. Avec Denise, sa première épouse, Arnaud se découvre un grand intérêt pour l'Inde. Ils sont notamment très attirés par une grande sainte indienne, Ma Anandamayi. À la fin des années 50, Arnaud est un jeune réalisateur de l'ORTF. Il parvient à concilier ses deux grandes passions, les films et les voyages en Asie à la rencontre des grands témoins vivants de différentes traditions spirituelles. Sage hindou, maître soufi, grand lama tibétain, moine zen du Japon. L'année 64-65, Denise l'a passée presque tout le temps auprès de Ma Anandamayi avec des enfants. Et moi, j'étais tantôt dans les tournages des films sur le bouddhisme tibétain, tantôt à la chambre de Ma Anandamayi. Et là, c'est en face de Ma Anandamayi que j'ai senti je ne vais pas m'engager auprès d'un tibétain à temps plein, comme l'a fait Mathieu Ricard plus tard. J'ai une femme, j'ai des enfants. Pas vraiment une tournure d'esprit de moine, et je ne peux pas continuer simplement à tourner des films, écrire des livres, méditer consciencieusement, il faut plus que ça. Et là, je me suis souvenu que je portais sur moi depuis 1959 l'adresse d'un swami inconnu du grand public. Donc j'ai pris ma Land Rover, j'avais même pas écrit pour prévenir, j'ai roulé un certain nombre d'heures et je suis arrivé dans ce minuscule ashram. Pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau courante, on se lavait dans la rivière et on faisait ses besoins dans les champs. Hein. J'apprends donc qu'Arnaud est élève d'un maître indien, un certain Swami Prajnanpad, décédé en 1974. Gourou à la fois traditionnel et tout à fait atypique, ex-universitaire, scientifique, grand connaisseur de Freud, sorte de Socrate védantique dont les formules fulgurantes jalonnent les livres que j'ai en main. Pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Personne ne vit dans le monde. Chacun vit dans son monde. Vos pensées sont des citations. Vos émotions, des imitations. Vos actions, des caricatures. Véritable génie spirituel, Swami Prajnanpad a su traduire les plus hautes vérités métaphysiques en une pratique de chaque jour. J'aurais fait le portrait robot du maître idéal pour moi, j'aurais exactement décrit Swamiji. Cette connaissance d'anglais, cette connaissance de la psychologie, c'est une formation scientifique, un esprit totalement ouvert, on pouvait aborder toutes les questions avec lui, un réalisme, une lucidité. Le fond, c'est le fond, la métaphysique, mais la voie, la méthode, c'était très original. L'expression Adi Atma Yoga n'est pas une invention de Swami Prajnanpad. Swami Prajnanpad était un hindou sanskritiste, ce que tous les hindous ne sont pas, reconnu par un certain nombre de personnes comme un sage accompli, profondément libre, et il se réclamait de l'Advaita Vedanta, il citait les Upanishads. Quand on lui demandait « mais c'est quoi exactement la voie que vous proposez ?» parmi toutes les voies proposées en Inde, il disait « Adi Atma Yoga ». Yoga en direction de la plus grande profondeur en nous. Donc, là, Swamiji a expérimenté, encore jeune, avec des Indiens, une possibilité, c'est un livre, la lecture des livres de Freud qui lui en avait donné l'idée, d'aller directement, à travers les émotions actuelles, à la source des émotions, et revivre les grandes empreintes les plus profondes.
Arnaud Desjardins, avec la bénédiction de Swamiji, a abandonné ses activités antérieures pour ouvrir en France un ashram nommé le Bost, où il entend ne recevoir qu'un nombre restreint d'apprentis disciples à qui transmettre la voie qu'il a lui-même suivie. Le Bost, en 1982, est présenté comme un cénacle fermé. Dans leur édition de l'époque, chacun des livres comporte une mise en garde sans équivoque au lecteur éventuellement désireux d'aller frapper à cette porte. Mais pour moi, cela ne fait aucun doute. Cet Arnaud Desjardins est mon maître. Je suis son apprenti disciple. Et il n'aura donc pas d'autre choix que de m'accueillir en son Bost, dût-il pour cela transgresser ses propres règles. Je venais aussi souvent que je pouvais. Je posais toutes les questions que je pouvais, j'étais insatiable. En fait, j'étais comme un voyageur qui étudie la carte pour pouvoir ensuite faire le voyage, pas juste pour le plaisir de rêver au voyage possible. Un jour, Arnaud m'a appelé, je crois que j'avais pas demandé d'entretien, et il m'a dit « Gilles, ne soyez pas trop sage trop tôt ». J'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire, et il m'a dit « Bon, écoutez, vous êtes un garçon très sérieux, vous êtes passionné par ces questions spirituelles, peut-être que vous portez en vous des choses d'un autre ordre, que vous avez aussi envie de faire un peu le fou, peut-être que vous portez en vous le fait d'être emporté par des passions, etc. Ne soyez pas trop sage trop tôt, vivez ce que vous avez à vivre en vous maintenant, plutôt que ça ressorte de façon sauvage à 40 ans. Je voulais m'enivrer de l'énorme catin, dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Je t'aime, ô capitale infâme, Charles Baudelaire. Ce que je nomme ici le yoga du troquet commence lorsque, posé dans ce bistrot, j'écoute la vie se dire, prenant garde de ne point céder ni à l'attraction, ni à la répulsion. La vie, la grande vie, tolère très bien que l'on soit sage et fou, ascétique et sensuel, mystique et sceptique, humble autant qu'orgueilleux, que l'on aime l'air pur et l'asphalte, Mozart autant que le rock'n'roll. Arnaud insiste toujours, et notamment auprès des gens jeunes qui sont en pleine ouverture à la vie, sur le fait qu'il est important de faire ce que l'on porte en soi, même si apparemment c'est un peu éloigné de la spiritualité avec un grand S, et que par conséquent si on a une ambition, si on a un désir d'épanouissement, un désir d'être reconnu, il est important d'accorder sa place à ce désir, pas de se frustrer sous prétexte que le sage est détaché suprêmement au-delà des plaisirs et des peines de ce monde. Donc il m'a beaucoup poussé, par exemple, à écrire. Je voulais écrire, je portais ça en moi. Il m'a dit, allez-y, go! Quand j'ai commencé à écrire et que j'ai lancé avec Alain-René Gelinot une revue qui s'appelait Filigrane, j'ai envoyé tout ça, notamment à Marc de Smet. Et il m'a tout de suite répondu. Marc était une figure importante, un éditeur chez Albin Michel. Il s'occupait aussi de la revue Question de. C'était une période extraordinaire. Chaque fois que j'étais touché par un auteur, je me débrouillais pour le rencontrer. Et quasiment à chaque fois, une relation naissait qui était plus qu'une relation ponctuelle d'un intervieweur avec un interviewé. Il y avait comme une sorte de magie. Je sais pas, ces personnes devaient sentir la ferveur de ce jeune homme qui venait les interviewer. Et il y avait une amitié, je me retrouvais à dîner chez eux. Un poète qui ne saurait pas chanter ses poèmes et qui ensuite ne pourrait pas capable de les danser ne serait pas considéré comme un poète authentique. Donc la civilisation occidentale a atteint une technicité très grande en divisant. Alors, chaque domaine va plus loin que d'autres civilisations, mais il manque ensuite de réunir ces domaines. Comment est-elle passée pour vous dans le domaine de l'incarnation ? Elle est passée dans le domaine de l'incarnation, pour moi, à partir d'un malaise, d'une souffrance, comme beaucoup. Je me sentais mal adapté à l'existence. Et puis, une émission à propos de mon livre sur Thoreau, avec Claude Métra, m'a ouvert les portes de France Culture. En ce frêle petit monsieur, je rencontre une longue expérience de la radio.
une curiosité pour tout ce qui relève de la mystique, mais aussi une générosité. Claude décèle en moi un potentiel de professionnel de la radio. L'émission dans laquelle il me propose de m'insérer est celle des chemins de la connaissance. France Culture constitue en cette époque reculée un îlot de liberté aujourd'hui inimaginable. Extérieurement, à certains égards, j'avais un côté un petit peu rastignac, arriviste presque, de la spiritualité, on pourrait dire. C'est-à-dire j'écrivais des livres qui commençaient à avoir un petit écho. Sous ce côté-là, qui faisait réagir certaines personnes, qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit con qui arrive, qui commence à faire des conférences, à écrire, etc. » Très honnêtement, je travaillais énormément en écrivant beaucoup d'articles à une cadence infernale, puis entrecoupé de séjours auprès d'Arnaud, où j'allais raconter à Arnaud mes expériences, et en trouvant toujours cette bienveillance chez lui, et en même temps cette exigence de me pousser plus loin. La contemplation peut être vécue quand on arrive à un certain seuil d'activité maximale. Ce que j'essaye de faire actuellement, c'est d'aller très loin dans une certaine activité qui commence à peine, pour ensuite justement en être détaché, pour ensuite peut-être pouvoir passer à autre chose. À l'époque, pour moi, c'était pas une indigestion, parce que c'était une période où j'avais besoin, comme tout jeune homme, de me nourrir, nourrir et nourrir encore, pour trouver ma propre substance. Marc De Smet m'a proposé d'interviewer Jodorowsky pour le magazine Nouvelle Clé, au sujet de sa rencontre avec le mythique Castaneda. Comment est-ce que tu le rencontres, Castaneda? Parce que c'est un personnage qui, on dit, il est toujours insaisissable, injoignable. Mais j'étais à l'époque, j'étais très connu à l'époque parce qu'il avait fait le film El Topo. El Topo que j'ai vu. Je rentre chez moi et je me dis, mais si je faisais un livre avec ce Jodorowsky, un petit livre, il me dit, d'accord, mais viens me parler du livre. Et là, j'arrive chez lui et je lui explique. Et dans mon esprit, on allait longuement en parler, discuter contrat, je sais pas quoi. Et il me dit, tu veux faire un livre, fais le livre maintenant. Je lui dis, mais j'ai rien, j'ai pas de cassette, de... Ah, il y a un appareil à cassette, mon fils a un appareil à cassette. Il appelle son fils qui amène un appareil et on branche. Et il me dit, voilà, tu veux faire le livre, fais le livre maintenant. Donc je commence sans avoir absolument rien préparé. On n'avait pas discuté contrat, qu'est-ce qu'allait être ce livre, quoi que ce soit. Je ne savais pas quoi lui demander puisque je n'avais rien préparé. Quel âge as-tu? Et il me répond, 60 ans exactement. Mais l'univers n'a pas 60 ans, des millions d'années. C'est le début de ce qui allait devenir la tricherie sacrée. À chaque fois, tu passes par une étape et tu arrives à un niveau finalement assez élevé où tu pourras avoir l'aisance et une vie facile. Oui. Et puis à ce moment-là, tu casses. J'ai cassé, j'ai fait le topo. Il y avait un immense succès aux États-Unis. Alors, les producteurs, tous, ils m'ont offert que je fasse Star 2. Et ils m'ont offert la couverture de Penthouse, de Playboy, tous les journaux de l'Amérique s'intéressaient que je fasse un film comme Star 2, que moi qui ai fait le top. Et 15 minutes avant de signer, je me suis échappé, j'avais 200 000 dollars dans la main. Je refusais, il faut que je le dise, parce que c'est vrai, c'est 200 000 dollars, je refusais. Et on s'est revus comme ça plusieurs fois, et c'était complètement magique, c'est-à-dire qu'en fait, on enregistrait, après je retravaillais l'interview, je lui montrais rien, et un jour, finalement, je lui ai donné rendez-vous dans un café, et je lui ai amené le livre. On n'avait pas signé le contrat. Et il était comme un enfant, il disait, mais c'est la merveille, ouais, et rien fait, il trouve le livre, le tout fait, ça y est. Et après, on a signé le contrat, une fois que le livre était sorti. Je fais le voyage jusque Trebbeurden, sur les côtes nord de la Bretagne. Kenneth White est un poète et écrivain écossais qui vit en France et a enseigné à la Sorbonne où il avait une chaire de poétique. En me présentant à sa porte, j'ai l'impression de venir rencontrer quelqu'un de la trempe de l'auteur de Walden ou de celle d'un Walt Whitman. Kenneth s'inscrit dans une tradition en fait assez américaine, où effectivement il y a une Amérique intérieure, cette notion de la frontière, pas uniquement en tant qu'espace géographique, mais en tant qu'espace mythique, un territoire intérieur, une cartographie de l'esprit que l'on cherche à atteindre. Donc lui est voilà, très fasciné effectivement par le Nord, le Labrador, le chemin du Nord profond. Il y a eu dès le départ de la littérature américaine cette formidable sensation d'espace. C'est ça. Hein, ouais, ouais. Ce qui exigeait presque un long poème pour traverser l'espace. Hein. J'essaye en fait de creuser l'espace qui est le mien. «
Keynes m'a montré une exigence et il m'a aussi aidé à me trouver moi-même aussi par défaut, en voyant aussi ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Quelqu'un qui suit une voie précise avec un maître précis dans une lignée précise et dans laquelle l'écriture peut jouer un rôle, mais dans laquelle tout n'est pas centré sur l'écriture. Keynes est tout à fait étranger à cette tradition poétique à la française, de petits cénacles, avec des textes obscurs. C'est quelqu'un qui, de par sa culture anglo-saxonne et son ouverture, a très vite repris cette tradition de la poésie lue en public. Les premières lectures poétiques auxquelles j'ai assisté, avant d'avoir la chance d'assister à celles d'Allen Ginsberg, de Gary Snyder, ou de Michael McClure aux États-Unis plus tard, les premières lectures poétiques auxquelles j'ai assisté étaient celles de Keynes, très souvent à Paris. The sport of Fisher's boarding house was sailor men reside. There were men of all the ports from Mississippi to Clyde. Regally they spat and smoked and fearsome in their eyes. They lied about the purple sea that gave them scanty bread. They lied about the earth beneath the heavens overhead. Kenneth White est un voyant, animé d'un souffle qui vient de plus loin que le fond commun de la névrose occidentale. C'est ce même souffle que je vais retrouver chez certains poètes de la Beat Generation. Je poursuis vers l'ouest, l'Amérique du Nord, royaume des plaines intérieures. Le corps de l'homme est sacré. Sacré. Le corps de la femme est sacré. 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 Autant Thoreau est le chantre de la nature, de l'étang de Walden, autant Whitman, tout en ayant une communion très profonde avec la nature, est aussi celui qui sait célébrer la ville, sa ville, New York, et qui en célèbre la pulsation, ce qu'on pourrait appeler justement le beat, le rythme. Et donc c'est quelqu'un qui écrit des pages fantastiques sur le ferry de Brooklyn, sur Manhattan, en reliant en même temps Manhattan à son passé, à ses origines indiennes. Je chante le corps électrique, c'est une célébration de cette énergie à la fois de la ville, du corps en tant que lieu, laboratoire, dans lequel il est possible d'expérimenter l'essence même de l'existence, l'essence même de la vie, de sentir la pulsation première. Walt Whitman vécut de profondes expériences mystiques, de profondes expériences de communion avec la nature, avec son identité profonde. Ce que les hindous appellent le soi. À partir de là, il écrit des poèmes qui seront fondateurs de la poésie américaine. Ces poèmes ne doivent pas grand-chose à la forme européenne. Ce sont des poèmes complètement libres, qu'on imagine être lus à haute voix. À pied, le cœur léger, je pars sur la grande route. Bien portant, libre, le monde devant moi. Le long chemin brun devant moi, conduit partout où je voudrais. J'en ai fini avec les malaises des gens casaniers, avec les bibliothèques, les critiques et les plaintes. Toi, air, qui me fournis le souffle pour que je parle. Vous, rue d'allée des villes, vous, solide bordure des trottoirs, vous, rangée de maisons, vous, fenêtre dont la paroi transparente pourrait laisser voir tant de choses. J'aspire de grandes gorgées d'espace, l'Est et l'Ouest sont à moi, et le Nord et le Sud sont à moi. Je suis plus vaste et meilleur que je ne pensais, je ne savais pas que je contenais tant de qualités. Que tu sois, avance. Homme ou femme, avance. Il ne faut pas rester là à dormir dans la maison, même si tu l'as bâtie toi-même. Allons, la route est devant nous. Elle est sûre, je l'ai essayée.
que le livre reste fermé sur le rayon, que les outils restent dans l'atelier, que l'argent reste sans être gagné, que l'école reste où elle est. Ne t'occupe pas du cri de l'instituteur, laisse le prédicateur prêcher dans sa chair. Je te donne la main, je te donne mon amour qui est plus précieux que l'argent. Veux-tu venir en voyage avec moi ? Walt Whitman a émis lui-même une prophétie, a prédit que viendraient après lui des poètes qui seraient non seulement des écrivains, mais aussi des orateurs, des prophètes, des enseignants, des gens qui enseigneraient une sorte de sagesse à la grande population de l'Amérique qui peu à peu s'éveillerait. Ginsberg s'inscrit tout à fait dans cette tradition. En 1987, je suis invité en tant que producteur à France Culture à participer au colloque Les Rencontres internationales Jack Kerouac dans la ville de Québec. Je saisis cette occasion pour approcher les héros beats de mon adolescence. C'est là que j'ai rencontré Ginsberg sur un trottoir. Il pointe sa canne sur ma poitrine et il me dit comme ça, but en blanc, « Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ici ?» Donc, je lui réponds, « Je suis français, je suis journaliste, universitaire, etc. etc. » Et il continue à me regarder et il me dit comme ça, « Est-ce que vous vous intéressez au bouddhisme tibétain ?» Ce qui était assez inattendu. Donc, bien sûr, la réponse était oui. Et à ce moment-là, il me dit, « Écoutez, j'en ai assez qu'on m'interroge sans cesse sur Kerouac, les années 50, toute cette période, les vieux souvenirs de la Beat Generation. J'aurais envie de parler de bouddhisme tibétain. Je vous invite à déjeuner pour parler de bouddhisme. » La première chose que je lui demande, c'est comment se fait-il que Shogyam Trungpa, parce que je savais que Ginsberg était disciple et ami de Shogyam Trungpa, soit mort d'alcoolisme. Trungpa était mort peu de temps auparavant. Et Ginsberg me répond, pour que vous ne vous fassiez pas d'idées sentimentales, romantiques à propos du bouddhisme. C'était le début de notre conversation. Donc nous voici réunis autour d'une table ronde sur la Beat Generation et la quête spirituelle de la Beat Generation. There was a sort of macho bantering back and forth and joking. Who could make the most insane Zen remark, joke? Who could make the most poetic remark about illumination being found in a pile of dog shit or something? But there was also Kerouac's Catholic background, which made him a lot more Puritan. He saw himself as like following rules and regulations of purity, not masturbating, as part of Hinayana, whereas Snyder would say it's okay to fucking masturbate and get drunk because he was Mahayana. And Carol, I couldn't believe that there was a religion where you could actually fuck and jerk off. Whereas Snyder had the sense of humor to say, of course you can, it's all your attitude, whether you're attached to it or not. I wonder if you really meant anything of all that you said to me. La Beat Generation jaillit à l'aube des années 50. Kerouac, le beau marin, le prosateur prolifique, très tôt englouti par les flots de son écriture et les fleuves d'alcool. Ginsberg, le rassembleur, le poète juif quelque peu psychotique, mais déjà enclin à refroidir sa tête pour mieux faire entendre son cri. Et Snyder, le sage, déjà distant, méditatif, apte à s'immerger dans ses études chinoises au sortir de l'orgie. Tous voulaient vivre, voyager, communier, quitter la grisaille des années d'après-guerre pour se lancer hilar sur la route ouverte indiquée par Walt Whitman. Cette horde de beats, béatifiques et chiens battus, surgissent dans le sillage des transcendentalistes du 19e siècle. Pendant la rencontre internationale Jack Kerouac, arrive le moment de prononcer ma communication face à un auditoire kerouacien. J'ai trop observé dans l'histoire beat et rock'n'roll de grandes âmes se brûler les ailes, sombrer dans la folie, à trop vouloir l'extase à tout prix et sans articulation. Kerouac, Neil Cassidy, Jim Morrison, Janis Joplin. Comment tendre vers le ciel sans s'y évaporer? Comment s'enraciner sans s'affubler de semelles de plomb? Comment concilier folie et sagesse, spontanéité et méthode? Mettant en cause l'auteur de Satori à Paris,
C'est le Jack en moi que je cherche à débusquer, de peur qu'il ne m'entraîne dans ces abysses d'incohérence d'où l'on ne remonte plus. Ce que je reproche à Jack Kerouac, c'est d'avoir sombré dans le versant déglingué du beat sans parvenir à en intégrer la dimension béatifique. Jack est un Sorrow, divorcé de nature, un Whitman affligé d'une santé délicate. Son unique richesse réside dans son aptitude à l'extase, mais les moments incandescents se paient au prix fort, ainsi que le savait Emily Dickinson. Du bouddhisme, Kerouac me semble malheureusement n'avoir retenu qu'une compassion échevelée. Vivre le satori est sans doute une folie, mais une folie non dépourvue de méthode. Contrairement à son ami Snyder, Jack n'a pas su articuler son extase. Il s'est consumé sans entretenir la flamme. Tel un jazzman à jamais ivre, il s'est lancé dans un chorus plein de fièvre, nourri de sa douleur et de sa nostalgie d'amour, pour finalement s'écrouler à bout de souffle, à bout de vie. Ginsberg, lui, était quelqu'un qui avait su vivre toute cette période et ensuite, justement, donner un axe à son extase. Ginsberg donc était devenu très très sérieusement élève, disciple de Shogyam Trungpa Rinpoché. Il était véritablement un bouddhiste convaincu et un bouddhiste pratiquant, qui pratiquait la méditation, qui faisait des retraites et qui avait à cœur d'intégrer véritablement le bouddhisme dans son existence quotidienne. And what the Americans contributed, I think, was this element of beat or bohemian informality and candor, which was a necessary import into the hierarchical structures of Zen in Tibet. Je fomente avec Yves Le Pellec un voyage à New York. Le prétexte en sera un numéro de questions de littérature voué à Ginsberg et à la Beat Generation. Nous passons une semaine mémorable dans l'appartement d'Allen Ginsberg, complètement disponible pour nous. Il nous fait rencontrer la plupart des poètes beat encore vivants. Gary Snyder, Michael McClure, Gregory Corso, Ferlin Getty. Ginsberg nous emmène dans une soirée donnée par un grand éditeur, en l'honneur des poètes beat. Il nous présente Corso. Gregory Corso commence à faire tout un numéro avec des livres d'art qui se trouvaient posés sur la table basse. Moi, j'essayais d'entamer une conversation un peu structurée avec lui, et Corso se contentait de faire son numéro. Il regardait les livres et il disait « Look at the fucking Egyptians, look at the fuckers, look at those fucking pyramids, look at those fuckers, dig that fucking Egyptian shit, man. » Bon, voilà, et ça durait comme ça. Et au bout d'un moment, donc, pour essayer de maintenir le contact, je disais « Yeah, sure. » Puis moi, il s'arrête, il me regarde, mais vraiment très très méchamment, et il me dit « What do you mean by yeah ?» Qu'est-ce que vous voulez dire par oui, comme ça? Une inspiration vient et je lui réponds « Hey, it's a fucking Inca shit, dig that fucking shit, Gregory, dig that thing. » Il me dit « Yeah, yeah !» The whole point of meditation is that you're not supposed to stop mental activity. You're supposed to observe mental activity. If you are observing it, that's as good as stopping it. But you're supposed to observe it without getting too much into it. Yes. Meditation is not the elimination of thoughts. It is the awareness of thought. It's not the elimination of the outside space. It's the awareness of outside space. The Western mistake is to think that it puts you into a blank or some kind of nirvana. But the whole point is that the nirvana is here and that it's the awareness of being here that gives being here its sacred quality. Dans cette utilisation de la poésie comme parole prophétique, comme parole acte, Ginsberg a aussi recours à la musique. Ginsberg donc utilise le rock, le blues dans ses performances en public. Pour que la situation soit plus tribale, plus sacramentelle, pour que l'union soit plus générale, Ginsberg a utilisé la musique assez tôt dans les années 60. Il a utilisé des clochettes, un harmonium. C'est-à-dire que très souvent maintenant, il commence ses lectures de poèmes par un mantra, une syllabe sacrée qu'il tient pendant 5-10 minutes, qu'il fait répéter par le public.
Et il se crée ainsi une sorte de calme, c'est ce qu'il cherche. Ensuite, les gens sont plus disponibles pour participer à cet acte symbolique religieux qu'est la lecture de poésie. Par la suite, Ginsberg est entré en contact avec, on parlait de génération et de transmission de la parole, avec les jeunes prophètes, les jeunes bardes, qui étaient les chanteurs de rock écoutés par la jeunesse, et surtout Bob Dylan. Dylan est comme une sorte de prophète, de visionnaire, de poète qui utilise la musique qui, à ce moment-là, est véritablement le moyen d'expression le plus puissant pour délivrer une énergie. L'instant où on a sur scène un ou deux guitaristes, un bassiste, une batterie, il y a comme une sorte de miracle. Il y a cette énergie qui vient, qui en appelle immédiatement à quelque chose d'archétypal. La lecture, c'est une rencontre avec le poème comme prolongement de la présence physique, sensuelle, incarnée du poète lui-même. On peut relier ça paradoxalement à la tradition des prédicateurs américains. Aussi, par exemple, dans Moby Dick de Melville, le grand roman américain, il y a un grand passage de prédication. On voit le prédicateur qui prêche à tous les marins qui vont partir chasser la baleine. Et c'est quelque chose qui est vraiment archétypal dans la culture américaine, cette figure du prédicateur. Mmh. Alors qu'il peut prendre la forme la plus ridicule, les télévangélistes américains du dimanche matin. Mais en même temps, c'est fascinant de voir ça, d'allumer la télévision un dimanche matin en Amérique et de voir... Voilà, c'est gens qui chauffent une salle comme ça en disant Dieu vous regarde, Dieu est là, bon, etc., et qui font monter la pression. Mmh. Et d'une certaine manière, Ginsberg et ses amis, quand ils lisent leur poésie qui proclame le sacré, sont la version, contre-culturelle, religieusement incorrecte, peut-être spirituellement juste, mais religieusement incorrecte, du prédicateur américain qui demande un chèque et une prière à la fin. J'ai publié une traduction des Upanishads. Ces textes, issus d'esprits en contact avec la terre, les saisons, les éléments, travaillent à capter l'insaisissable essence. Les Upanishads gagnent à être lus à haute voix. J'ai essayé de rendre en français cette approche directe, poétique et effectivement incarnée de ces textes qui à la fois sont des textes plusieurs fois millénaires, qui sont issus d'un contexte totalement étranger au nôtre, les rishis védiques dans la forêt, qui ont la révélation de ces textes, de ces Upanishads, et qui en même temps parlent d'une recherche universelle et toujours d'actualité. Souviens-toi, ô esprit ! Ô esprit, n'oublie pas ce qui fut accompli ! When Gary's teacher died in Japan, he came back to the States and he was asked at that time why he wouldn't become a monk. And he said, there's no use for a monk in the United States. He wants a homemade American Zen based on traditional practice, but changed and alchemized for the local conditions. What Gary wants is an American Zen, which takes some of its roots in American Indian. When one reads Kerouac or Ginsberg, it always seems, you know, there's some madness hovering in the air. It seems you were the healthier or saner member of the group. You know what I mean? Well, I think I'm perhaps crazier than they are. Crazier. Yeah. One gets the feeling you were participating in all this frenzy of activities. You always kept some sort of inner distance. The distance that I kept is, you know, simply the distance of not going out every night. Yeah. I mean, if Alan and Jack were out doing something 7 nights a week, I only joined them 2 nights a week. Mm-hmm. And the other 5 nights a week, I was studying Chinese. Mm.
ils ont chacun ramené de leur voyage et de leur contact physique, que ce soit en Inde ou au Japon ou aux États-Unis, avec des maîtres orientaux, ils ont ramené cet esprit traditionnel, mais effectivement réadapté à l'existence américaine contemporaine, et non pas transplanté de manière artificielle. Ils écrivent au moment où la frontière, en tant que réalité géographique, physique, est à bout de souffle. Si l'esprit de l'Amérique, dans ce qu'il a de meilleur, doit continuer, ça va être effectivement dans la recherche d'une nouvelle frontière qui ne soit pas, comme ça a été plus tard, les voyages sur la Lune ou quelque chose de ce genre-là, mais qui soit véritablement l'exploration intérieure. Pour moi, c'est ce que l'esprit américain a de meilleur et d'aujourd'hui, finalement, assez peu connu des générations présentes où on a l'idée de la culture américaine comme quelque chose qui est ce qu'on connaît tous. First of all, the New World, then later the West, and then later the wilderness, all become European metaphors for the undiscovered, which can be taken spiritually. When you get out to the West Coast, West and East dissolve. The directions no longer make sense, because the next place you go is East. Estimant avoir tout ce dont j'ai besoin auprès d'Arnaud et redoutant le démon de la dispersion, je n'éprouve pas la nécessité de rencontrer des instructeurs. En clair, je ne suis pas en quête d'une autre pratique que celle transmise par mon maître, pratique que j'ai déjà bien du mal à appliquer au quotidien. Par contre, en tant qu'écrivain et journaliste, je suis naturellement à l'affût de bons sujets. Une idée germe alors en moi. Pourquoi ne tenterais-je pas de faire, à ma mesure et par le biais de l'écriture, ce qu'Arnaud fit jadis avec une caméra, à savoir concilier sa vie professionnelle et sa passion de la quête spirituelle, tout comme il mit ses aptitudes et son expérience de réalisateur au service de maîtres éminents en leur consacrant d'admirables documentaires, peut-être pourrais-je mettre mon écriture au service de quelques instructeurs de qualité. Je conçois donc en 1990 le projet d'un livre qui consiste en une sorte d'enquête à propos de l'éveil en Occident. Je me suis mis à l'écoute d'Yvan, et en fait il était ravi de ce projet, et tout de suite il m'a parlé de différentes personnes qu'il avait rencontrées. Une question que vous pouvez oublier si rapidement n'est pas si sérieuse. Elle ne vous dérange pas du tout. Les questions authentiques sont si dérangeantes qu'elles ne vous laissent même pas dormir la nuit. Yvan disait qu'il avait trois maîtres, son maître spirituel Chandraswami, son épouse Nadej et la maladie. Comment peut-il y avoir souffrance quand il n'y a plus de moi? C'est le moi qui souffre. Pouvez-vous avoir mal à la tête quand il n'y a plus de tête? Mal à la tête sans tête? Il avait contracté une maladie assez grave qui était évolutive. Donc quand je l'ai connu, c'était encore tout à fait gérable. Il se déplaçait, il voyageait. Et puis au fil des années, cette maladie n'a fait qu'évoluer. C'est elle qui l'a amené à nous quitter prématurément à l'âge de 49 ans. Il était absolument au courant de tout ce qui se passait d'intéressant dans la mouvance spirituelle. Et Yvan aussi avait cette vocation de mettre en contact les élèves et les enseignants les uns avec les autres. Il avait une exceptionnelle générosité
et une très grande passion de rassembler les voix, de rassembler les instructeurs, non pas pour faire un syncrétisme, mais il croyait profondément à l'idée que les instructeurs et les élèves authentiques sur une voie devaient être en contact les uns avec les autres et pas chacun dans leur petit cercle. So you have no, you don't have to worry. No pressure. No. Yes, you don't have to worry. We have some time, so you can go in depth, and then we can. Et me voilà lancé dans l'aventure. Une première rencontre à Paris avec Douglas Harding, suivie d'une semaine en Angleterre où il rassemble plusieurs dizaines de ses élèves venus du monde entier. Puis un stage de 10 jours avec Richard Moss, suivi d'un deuxième stage de même durée 2 mois après. Enfin, en pleine guerre du Golfe, je m'envole pour les États-Unis, direction d'abord San Francisco, où j'ai rendez-vous avec Ram Dass, puis l'Arizona pour un premier séjour dans la communauté de Lilozovic. Just what we want. We're unwilling to be free, to drop the chains that bind us and see reality. We think that the universe will follow our rules. We sing our song. La première chose dont j'ai parlé avec Lee, on venait de se rencontrer 2 minutes avant, hein, et je lui demande, tiens, qui est cet homme? J'avais jamais vu ce maître, je ne connaissais pas l'existence de Yogiram Surat Kumar, et il me répond, c'est mon maître. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit, et toi, est-ce que tu as un maître? Donc je lui dis oui, et il me demande qui est ce maître, qu'est-ce qu'il enseigne. Et ensuite, pendant tout le séjour, je lui ai beaucoup parlé d'Arnaud, de cet enseignement, de Swamiji. Je lui ai dit, j'espère que je vous bassine pas trop avec tout ça. Et il m'a répondu, non, c'est très précieux et très important pour moi. No television, I don't need no radio. Long as you are here beside me, that is all I need to know. En quittant l'Arizona, l'idée s'est imposée à moi d'inviter Lee en France, d'une part pour qu'il puisse donner certains enseignements, faire quelques conférences, et puis d'autre part, rencontrer Arnaud. Quand Lee est arrivé à Paris, à ce moment-là, il venait de faire 15 heures de voyage, décalage horaire, etc. Je lui ai tout naturellement demandé s'il souhaitait se reposer. Et il m'a dit « No rest !» Comme ça, « Action !» I want to be into it. Donc j'ai dit ok, et donc j'ai dit bon bah il faut tout de suite faire quelque chose. Je sentais qu'il piaffait, qu'il n'était pas question de dormir, de se reposer, comme tout homme normalement constitué. Mais bon, j'ai très vite compris qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un de normalement constitué. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de téléphoner à Alessandro Jodorowsky. Et bien sûr, tu viens tout de suite avec ton ami, le maître américain, il fait du rock'n'roll. Très bien. Bon. Et donc, ce soir-là, en fait, Jodorowsky avait chez lui plusieurs grands maîtres de la bande dessinée, Jean Giraud, alias Moebius, et puis un autre grand de la bande dessinée, François Bouc. Et on a passé une soirée à discuter de création, de créativité, de chamanisme. Andele, sei tu, what do you father with the papaya? No, what is the papaya? For la papaya, for the Mexican, is the woman sex. La papaya, it's very, very... Quand Lee est arrivé en France, j'avais organisé quelques conférences. Il y avait un aspect où j'engageais ma réputation et ma crédibilité. Je pense que presque toute personne sait ce qui dans sa vie l'handicape ou le détruit. And by destructive, I mean that which keeps you from liberation. Et je par destructeur, j'entends ce qui vous empêche d'être libéré. Or keeps you from transformation. Ce qui vous empêche de vous transformer.
And most people are completely unwilling to simply stop that behavior. La plupart des gens n'ont absolument pas l'intention de cesser ce comportement. They sit in, you know, cafes, drinking shit, eating shit, you know, feeling like crap, you know, right there in that moment, and they won't stop. La plupart des gens sont là à s'asseoir dans les cafés, à bouffer de la merde, à boire de la merde, à se sentir eux-mêmes comme de la merde, et ils n'ont absolument pas l'intention d'arrêter ce genre de comportement. Je n'oublierai jamais la première conférence parisienne. Lee arrive, et moi je ne l'avais jamais vu en conférence. Je l'avais vu que dans son ashram. Donc j'avais aucune idée de ce qu'il pouvait faire. Et là, donc, je m'assieds à côté de lui pour lui servir d'interprète. Il s'est montré grossier, limite odieux. C'est-à-dire qu'en fait, il ne répondait pas aux questions. Il chantonnait, c'était presque s'il n'insultait pas certaines personnes directement. Et en fait, toutes les questions, un peu de curiosité, comme il y a nécessairement dans ce genre d'assemblée, il les traitait avec beaucoup, beaucoup de provocation, ce qui fait que c'était vraiment très déstabilisant, en fait. This old bull and this young, you know, vigorous bull are standing up on top of the hill. And down at the bottom of the hill in the field, there's a whole field of cows. Le jeune taureau est absolument plein d'énergie et il est là à piétiner, à ronfler, à renifler, à souffler. Et il regarde à un moment donné le vieux taureau et lui dit, hey, vieux bonhomme. Et à ce moment-là, le vieux taureau le regarde et lui dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, fils? So the young bull says, you know, what do you say, old man? Come on. What do you say we go down there in that field and fuck ourselves a cow? Et à ce moment-là, donc, le jeune taureau lui dit, alors, qu'est-ce que t'en dis, vieux? Ce qu'on pourrait faire, c'est descendre dans le champ et baiser une bonne vache. Why don't we charge down there into that field and fuck ourselves a cow? Pourquoi est-ce qu'on ne descend pas dans le champ et qu'on ne va pas baiser une vache? So the old bull looks at the young bull and says, I have a better idea, sonny. Why don't we walk down there and fuck them all. Il voulait absolument décourager les curieux et faire une sorte de tri, ce qui fait que les gens qui restaient et qui étaient touchés étaient ceux qui arrivaient à voir un peu au-delà des apparences. D'accord. Oui, pourquoi la plupart des grands gourous ont choisi les États-Unis et non pas l'Europe? Est-ce que la mentalité américaine ne serait pas plus naïve que la mentalité européenne, c'est-à-dire plus facile à manœuvrer? Well, it's true that Americans are not much more intelligent than cattle, but on the other hand, they're also very willing to experiment and try new things, whereas Europeans are so convinced of the absolute magnificence of their culture that they're stubborn as pigs. Ouais. Bon, enfin, je vais arrêter là parce que... Je crois que ce monsieur se prend pour le bon Dieu et que so he says, c'est un peu trop fort quand même. Ok. Ok, Francis. Alors donc, tu crois que tu es Dieu? Oh no, good heavens, I would never be so presumptuous. I may act like it sometimes, but I would never, ever seriously consider that possibility. Mais enfin, Dieu est en vous comme en chacun de nous. Well, of course, but the gentleman that called didn't mean it that way. J'attendais ces semaines avec impatience chaque année et en même temps je les redoutais parce que c'était épuisant. C'est le blues de Mr. Lee. Nous sommes sur la route et nous sommes fatigués, oui, fatigués. Je me souviens que parfois ça m'arrivait de m'échapper, de sortir pour aller boire un café au bistrot d'à côté, en me disant, là je respire, je suis plus dans cette énergie, je vais me reposer un peu, je vais y retourner 10 minutes plus tard. Encore une journée de traduction, avec ce soir une réunion. Encore une journée de promenade, encore une journée de bénédiction. Au fin fond de la campagne de la Vienne,
se donne un dernier concert en hommage aux membres fondateurs du groupe, The Lee Lozovics Project. Mr. Lee a quitté son corps 2 mois plus tôt. At first, I fought with everything. You wanted to provide. Now I see your love is deep. You brought me to your side. Usually, rock and roll is considered as a kind of music which is not spiritual at all, which is aggressive. How do you reconcile this aggressiveness of rock and roll and your spiritual transmission? Well, first of all, our tradition is associated with the tradition of the Baul's from northern Bengal, and the primary communication of scripture in the Baul tradition is through song and music. And the poetry of their song is always very cryptic, so that the teaching is not communicated intellectually or linearly, but hidden in the actual process of the music, the dance and the song. Bon, la musique Baul, c'est une musique décorchée, c'est une musique de gens qui se languissent du divin, du bien-aimé, qui l'appellent, qui parlent de ce qui demeure au plus profond du cœur. Rock and roll is white western blues. White people can sing black blues really well. People like John Mayall and you know, Paul Butterfield and like that. But at the same time, the unique expression for white westerners of the blues is rock and roll. L'essence du rock, c'est le blues. Et l'essence du blues, c'est la vulnérabilité radicale. Et la vulnérabilité radicale, c'est le cœur brisé. Et le cœur brisé, c'est l'essence de la mystique. And the blues was a form of music that was both expressive of the difficulties of life, but also a teaching, a communication about the passion and the joy of life. I was with my teacher in India sometime years ago, very seriously. He said, "What do you want?" I was sort of in the midst of this turmoil with students and the responsibility of it and the difficulties of it. And I said, "I'd like to be just like you, just, you know, have a nice quiet, be in one little town and just, you know." He got tears in his eyes and he shook his head and he said, "Oh no, this old man just, you know, is stuck here in this little old town. And you have to travel the world and go all over and, you know," he said, "you can't do this." Et donc, il a eu cette intuition de créer plusieurs groupes de rock blues contemporains autour de musiciens qui sont tous ses élèves et des musiciens en général compétents qui se sont beaucoup améliorés aussi avec le régime auquel Lee les a soumis, puisqu'en fait, il les a fait jouer soir après soir, dans des bars où il y avait parfois 3 ivrognes dans le public, plus quelques membres de la communauté, jouer. Donc, c'est une excellente école. Donc, autour de ces musiciens, Lee sur scène, soit chantant, frappant du tambourin, dansant. Et en fait, on pouvait voir, si on regardait cette configuration avec un œil un peu averti, qu'en fait, c'était comme un rituel chamanique où en fait, Lee était sur scène et qu'il chante ou qu'il ne chante pas, qu'il soit un peu en retrait derrière la scène ou avec les musiciens sur le devant. En fait, c'était lui qui tenait l'énergie du groupe comme une sorte de catalyseur. Rock and roll that we create in our community, in our band, is actually rock and roll that comes
comes from the other side and is breaking on through to this side. Even though rock and roll is commonly considered to be a low form of art or not art at all, and some of the music is even considered to be negative or destructive, that's actually a misunderstanding of what rock and roll is and where it's come from. So in this type of experimentation, there are bound to be some threads of the experiment that don't work. And out of those threads of the experiment that don't work, comes the reputation of rock and roll for being dangerous or negative. But rock and roll certainly does have its dark elements, but then life is not all light. Life is the ebbing and flowing of both light and darkness. So if we take life and we say only the light aspects are worthwhile and all the dark aspects must be eliminated, that's very dangerous. L'ombre, c'est bon, tout ce qui peut être refoulé en nous, c'est aussi les aspects sombres, glauques, inquiétants, les bas instincts, les pulsions, tout un monde qui fait peur et qui a beaucoup fait peur, notamment à l'Amérique blanche, au moment où le blues et le rock ont commencé à percer. Ce qui a beaucoup inquiété l'Amérique blanche à ce moment-là, c'était le fait que c'était les pulsions du nègre, les pulsions noires, les pulsions primitives, la sexualité brute, la pulsion tribale qui allait revenir dans la culture blanche à travers cette musique de nègre, cette musique incontrôlable. Donc il y avait toute une inquiétude. Hein. Elvis Presley qui bougeait le bassin, c'était très très inquiétant. Donc c'est sûr que le rock charrie cette énergie ombreuse, toute la question étant qu'on peut effectivement s'abîmer dans l'ombre ou qu'on peut au contraire transformer l'ombre, la canaliser. Dans la mesure où l'ombre est refoulée, ça devient une énergie destructrice, morbide. Dans la mesure où elle est acceptée, où on s'ouvre à elle, à ce moment-là, ça devient une énergie qui se transforme, une énergie alchimique. En 1993, j'organise un voyage aux États-Unis qui doit symboliquement achever de sceller le lien entre les deux maîtres. Arnaud et Lee incarnaient sous une forme aboutie les deux polarités de mon humanité. Arnaud nourrissait en moi une dimension classique, au sens noble du terme. Lee était venu comme légitimer une part de moi que je ne pouvais pas réellement partager avec Arnaud. C'est la part que l'on pourrait qualifier de nord-américaine, la part rock. Route et beat, une part également plus destroy, plus rebelle et électrique, à certains égards plus sombre aussi. L'aspect rigoureux et très didactique de la voix transmise par Arnaud nous avait éduqués dans l'idée d'une pratique somme toute assez logique et linéaire. Arnaud nous avait guéris de la superstition et d'une propension infantile au merveilleux qui infeste nombre de sanghas. Lee, avec ses histoires de mendiants fous, de relations situées en dehors des repères de l'espace et du temps, nous remit en contact avec une non-linéarité hors laquelle il n'est pas de voie spirituelle. Lee nous encourage à davantage voir Arnaud comme un homme du mystère et la voie sur laquelle nous étions engagés comme un processus bien moins logique et rationnel que nous aurions pu le croire. J'ai eu l'immense privilège d'accompagner Lee en Inde pour rencontrer son maître, Yogi Ramsurat Kumar.
Yogi Ram Surat Kumar a été littéralement un mendiant. Et il errait dans la ville de Tiruvannamalai avec son turban, son éventail. Il attirait à lui, sans rien faire, un certain nombre de chercheurs spirituels. C'était un maître spirituel en quelque sorte caché, ésotérique, dont il fallait sentir la magie, la présence en le croisant dans le temple ou dans les rues. Et il ne délivrait aucun enseignement linéaire, juste de temps en temps une phrase qui tombait comme ça, de but en blanc. Il levait la main et il disait « Seul mon père existe, dans tout l'univers, il n'y a rien que mon père, rien que mon père. Only my father !» Ce vieillard avait, pour ceux qui étaient réceptifs, une présence qui était au-delà de l'au-delà de l'exceptionnel. C'est-à-dire que dès que je me suis trouvé en sa présence, et pourtant je suis assez critique et disons, je ne suis pas facilement impressionnable. Voilà. Mais là, j'ai été immédiatement complètement fasciné et même, je pourrais dire, comme écrasé par le poids de la présence de Yogi Ram Surat Kumar. J'avais entendu Arnaud parler de Manandamoyi en disant, voilà, nous avons vu et nous avons cru. Et dire qu'il y avait certains êtres qui dégageaient une présence face à laquelle toute discussion s'arrêtait. Ils faisaient des choses, mais qui n'avaient pas de sens linéaire. Ils faisaient lire certains passages, notamment de la vie de Ramdas. Puis alors, ils demandaient qu'on recommence. Donc, une Indienne lisait un premier passage de la vie de Ramdas. Elle s'arrêtait. Il restait quelques instants à fumer, en fronçant les sourcils. Et puis, il disait « Again, Ramdas !» Et à ce moment-là, donc, il fallait que la personne recommence à lire le même passage. Parfois, c'était 3 ou 4 fois de suite. Pour moi, voilà, Yogi Ram Surat Kumar représente vraiment l'incarnation tangible de la manifestation du plus grand sur la Terre. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre et inhabituel de parler en ces termes. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement emporter ou impressionner dans des délires mystiques. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Cette présence de Yogi Ram Surat Kumar en tant que bénédiction tangible et en tant que force tangible qui me soutient dans ce que j'ai à faire, dans ce que j'ai à partager et qui participe de ma relation avec mon propre maître. Nous sommes dans un pays, là, assis. Nous ne sommes même pas dans un pays. On est assis sur de l'herbe, dans un lieu qui n'a pas de nom et qui n'en aura jamais, parce que nous sommes dans un lieu qui est antérieur à la géographie. Il n'y a pas de géographie. Yvan Amar m'a dit il y a quelques années, « Toi qui es sensible à l'écriture, tu devrais rencontrer Steven Jourdain. C'est un homme merveilleux, un éveillé doué d'un vrai talent d'écrivain. Je passe une semaine chez lui, en Corse, où il tient un bed and breakfast. » De tous les instructeurs que j'ai eu le bonheur d'approcher, Steven Jourdain est sans conteste le plus déroutant, le plus inattendu, le plus fulgurant aussi. J'entreprends l'écriture d'un livre avec lui. Steven fait preuve d'un désintérêt souverain à l'égard des milieux spiritualistes. Il n'a ni ashram, ni école, ce serait contraire à son éducation libertaire et à la nature sauvage de son éveil. Pour moi, à l'époque, c'est assez particulier. Parce que nous sommes chez lui, la télé allumée toute la journée, on se retrouve le matin autour de la cafetière et les conversations tournent aussi fort que la cafetière. Steve passait son temps à faire le ménage, à regarder la télévision, n'importe quoi. Tout ça dans un nuage de fumée absolument insoutenable. J'adore passer l'aspirateur. Ce sont des choses humbles, triviales, misérables, que n'importe quel philosophe ou surtout spiritualiste digne de ce nom regarderait avec condescendance, mais toute l'importance du monde est dans la petite chose sans importance. Je fais corps avec moi-même passant l'aspirateur. Son expérience, qu'on peut qualifier d'éveil, qu'il a connue à l'âge de 16 ans, est venue sur un terrain en quelque sorte vierge, puisque lui-même, comme il le rappelle souvent, est d'une famille d'artistes athées. Donc tout son langage est vierge, en fait. C'est pas un langage imprégné d'hindouisme, de bouddhisme. C'est un langage qui s'est forgé lui-même. Avec lui, il s'agissait de se tenir à la fine pointe de l'intellect au sens le plus noble du terme et de le suivre dans ses développements. Et si tu le suivais dans ses développements pas à pas, il pouvait effectivement t'amener sur le seuil d'une perception autre de la réalité. Je bénéficie de ce recul magique qui est celui du lecteur par rapport au livre qu'il lit. Ce n'est pas parce que l'on sait que l'on est en train de lire un livre
est donc une fiction, que le cœur ne se met pas à battre quand le héros auquel on s'identifie devient éperdument amoureux et arrive à séduire son aimé. On marche pleinement. Bien, moi, je marche pleinement, mais je n'oublie pas qu'il s'agit d'un livre, d'un roman, et donc d'une fiction. Ces propos extraordinairement pertinents que nous sommes en train de tenir vont tendre à acquérir une consistance propre, une réalité propre, et à partir de cet instant, il faudra impitoyablement les sabrer. J'en ai rien à foutre. Une pure pensée, c'est juste une extension de mon propre principe, un peu de ma vapeur, rien. Comme Steve avait horreur des idées reçues, de l'onction spiritualiste, du langage convenu, du politiquement correct, il pouvait avoir tendance, effectivement, à mettre les pieds dans le plat. Comment vous vous dites éveillé et vous avez peur de perdre votre papa, vous avez peur de perdre votre femme? Et alors, pauvre con, je suis un être humain. Évidemment, l'éveil, c'est la connaissance suprême. Et l'éveil, c'est Dieu. C'est essentiellement l'humain. On déshumanise l'éveil, on tue l'éveil. Et puis le jour où ça me fera chier, je leur verrai balader ma vulnérabilité, mais je le ferai pour des raisons humaines. Je ne me sens pas particulièrement à l'aise dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui parce que, en vérité, j'ai l'impression que nous sommes dans une société de marchands de soupe. Et c'est encore plus répugnant, bien entendu, quand la soupe que l'on vend s'appelle spiritualité. Le véridique, je l'emmerde. Je n'y crois pas et je l'emmerde, et je vois dans les faits, les vérités, ou ce qu'on peut appeler le véridique, qui est la dégradation ultime du vrai, je vois le visage de Satan et je le sabre. Donc je n'ai aucun respect pour mes organes, je n'ai aucun respect pour les 5 milliards d'hommes mortels et vulnérables, je n'ai aucun respect pour le cosmos non plus, j'emmerde le cosmos, qui me paraît légitime, c'est le paysage terrestre où je me trouve actuellement, maintenant, immédiatement, tout de suite. Tout le reste n'est que néant et affabulation de mauvaise aloi, et produit par la mauvaise source. C'est comme les masses populaires, le mental, aux chiottes. Il avait un côté, comme il le reconnaissait volontiers lui-même, adolescent et enfantin. Donc il y avait à la fois cette dimension chez lui d'une très très grande maturité sur un certain plan et en même temps d'une très très grande immaturité sur un autre. Par moments, il se comportait comme un adolescent et il était démuni face, comment dire, à la réalité matérielle. Même en tant que conférencier, animateur d'atelier, il aurait pu finalement gagner correctement sa vie, mettre en place un certain nombre de choses. Il n'a jamais été capable de le faire. C'était quelqu'un qui traversait la vie comme une sorte de clown métaphysique. Le dernier soir, c'est revolver au poing que Steve débarque dans le salon. Il me le braque sur la tempe en s'exclamant « Je vais tuer la pensée du moi ». La voie spirituelle, c'est faire face complètement à cette réalité qui est que, en fait, nous ne savons rien, nous ne comprenons rien. Nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas qui nous sommes, nous n'avons de contrôle sur rien, tout peut arriver à tout moment, nous n'avons aucune certitude, aucun point d'appui réellement permanent, et que tout ce qui est de l'ordre de la foi, des croyances, il s'agit de les remettre en cause. Par exemple, c'est très important de pratiquer la méditation. Pourquoi ? Pourquoi c'est important de pratiquer la méditation ? Pas uniquement parce qu'on me le dit, pas uniquement parce que c'est une tradition sur la voie spirituelle de pratiquer la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Qu'est-ce que ça peut me donner? En quoi la pratique de la méditation peut-elle consister pour moi et non pas en général? Voilà, il y a une manière de tout remettre en cause, en fait, pour que ce que nous découvrons sur la voie soit vraiment à nous, que ça fasse vraiment partie de ce que nous avons intégré, que ça ne soit pas simplement une croyance, une adhésion idéologique à quelque chose de rassurant. Et pourquoi pas, si quelque chose nous rassure? Simplement, ce qui nous rassure ne tiendra pas le choc quand nous serons réellement face à l'épreuve, réellement face à la mort, réellement face à l'imprévisible. Il y a davantage à apprendre d'un vrai disciple que d'un faux maître, me dit Arnaud, lorsque je lui fis part de mon intention d'aller rencontrer Ram Dass. We can say that there is a danger when you are not actually completely cooked, as you said, yep. to go out and lecture. What I do is I warn people. I say to them, I am not enlightened. I am a fellow journeyer on this path with you. I'm saying things, they all sound true to me. Some of them are true and some of them are the projections of my psychosis. Yeah. You must trust your intuition. If what I say is useful, use it. If don't, throw it out. Because the thing that saved me was that I had Maharaji.
I knew what the real thing was. And it was so obvious that I wasn't the real thing that there was no way I could masquerade as that and live with myself. Mm. In a way, his presence just kept me straight. À la croisée des chemins, il m'a fallu faire un choix. Le seul astrologue qui m'ait vraiment impressionné m'avait dit, lorsque j'avais 18 ans, « Vous avez de l'ambition, vous visez haut et loin, vous atteignez vos objectifs, et à peine parvenu où vous vouliez aller, vous êtes prêt à tout remettre en question. » Au milieu des années 90, je me sens à la croisée des chemins. La redoutable interrogation de Swami Prajnanpad, « What do you want ?», se posait à moi avec acuité. À présent, qu'est-ce que je veux ? Je suis à l'âge où il importe d'opérer un tournant et de faire des choix. Soit je fais une honnête carrière, ne serait-ce qu'en tant qu'homme de radio, de critique littéraire, d'intervieweur, sans parler d'écriture. Soit je centre toutes mes énergies sur cette recherche qui m'anime depuis toute ma jeunesse. En 1995, Arnaud ouvre un nouvel ashram en Ardèche. Il me propose d'intégrer l'équipe de collaborateurs chargé au sein de l'ashram de transmettre à ses côtés et sous sa responsabilité. Cette fois, c'en est bien fini de l'électron libre. Mon existence va désormais revêtir une forme tout à fait régulière. Il serait en fait assez exact de parler de mes 11 années à Hauteville comme de mon internat en médecine de l'âme. J'ai eu l'insigne privilège d'étudier et pratiquer dans un grand hôpital de pointe sous l'autorité d'une sommité et auprès d'autres chirurgiens déjà plus aguerris. Swamiji faisait ce geste en fait. Il disait que la voix c'était ça, au début il y a un point fermé, et puis ce point s'ouvre peu à peu, jusqu'à être complètement ouvert. Ce sera une période épuisante, intense, parfois cruelle et ingrate, en même temps que d'une richesse inestimable. Si Arnaud est bien le grand patron, prêt à l'occasion à me prendre le scalpel des mains pour me montrer comment bien opérer, ou à me convier à assister en spectateur à une chirurgie à cœur ouvert, il me laisse et nous laisse à tous une immense liberté. Avec le recul, il m'apparaît clairement que me confier cette fonction procédait chez Arnaud d'un investissement à long terme. Il était parfaitement lucide quant à mes aptitudes, comme mes failles. Il savait que j'allais apprendre, apprendre et apprendre encore, qu'il y aurait sans doute quelques erreurs mineures, qu'elles seraient vues, pour la plupart rattrapées, et qu'à long terme, je pourrais faire un bon serviteur de la voix. Réfléchis aujourd'hui à mon parcours, toute cette richesse de rencontres. En fait, je n'en reviens pas. Surtout, ce privilège d'avoir pu être, de pouvoir être, parce que c'est au présent, l'élève d'un maître tel qu'Arnaud, de pouvoir, pendant 3 décennies, me mettre à son école, de son vivant, collaborer avec lui, tellement apprendre. À l'heure actuelle, Arnaud, Lee, Yvan, Steve ne sont plus dans ce monde, dans le corps physique en tout cas. Leur présence est là, complètement vivante. Sans parler de la présence de Yogi Ramswarat Kumar, qui est comme sur une montagne intérieure qui surplombe le paysage. Ce qui m'apparaît important, c'est de continuer, à ma bien modeste mesure, de transmettre ce que j'ai pu recevoir, apprendre de tous ces témoins,
Alors il y a les personnes comme moi qui peuvent avoir un destin qui inclut la transmission sur une certaine échelle, la transmission par les activités, par les entretiens, par les groupes, par l'ensemble des activités dont je peux m'occuper aujourd'hui avec mon épouse Valérie, par les livres, par la musique aussi, à un modeste niveau. Nous avons chacun, à notre petit niveau, la vocation d'être ce que j'appelle parfois un bodhisattva de quartier, un bodhisattva de proximité. C'est le moins que je puisse faire par rapport à tout ce qui m'a été donné. Comme disait Yvan Amar, maintenant tu peux devenir le serviteur de ton destin. Il est un lieu au profond de moi. L'ombre et la lumière s'y côtoient. Et j'entends parfois en émerger des voix qui gémissent et rient à la fois. Il est un sanctuaire creusé dans ma chair. En juillet 2011, quelques semaines avant sa mort, Arnaud dit à Gilles : ce qu'il y a d'unique sur le chemin spirituel, c'est qu'on a toujours l'avenir devant soi. Un texte écrit par Gilles en 2009, à l'occasion de ses 50 ans, exprime bien ce qu'il éprouve à ce stade de sa vie et de son parcours. C'est l'heure de la lucidité bienveillante, de l'amour du réel pour ce qu'il a de tragique et de merveilleux. C'en est fini de ce que la jeunesse peut avoir d'étroit, en même temps qu'elle semble infinie et portée par un souffle. C'en est fini de la légèreté un peu désinvolte. Place au véritable humour qui n'est jamais simplement léger, parce que toujours imprégné de la conscience du tragique et de l'impermanence. Place à la joie qui ne demande rien. C'est l'heure d'une entrée dans la vastitude, dans le lourd et le profond. C'est l'heure de la présence posée et bienheureusement pesante du poids de toutes les bénédictions reçues. C'est l'heure du travail de fond. C'est l'heure de l'amour aux grands yeux ouverts et qui me fixe sans ciller. C'est l'heure de la bonté, de la patience, de la douceur. C'est l'heure de l'indulgence, du sourire attentif, de la compréhension. C'est l'heure où je ne suis plus jeune sans encore être vieux. Donc l'heure médiane, celle du plus grand possible. C'est l'heure où il s'agit de se consacrer aussi longtemps qu'il le faudra à préparer sa demeure pour le jour peut-être encore lointain, mais de toute façon si proche, où le maître viendra réclamer sa maison et tout ce qui est en elle. C'est l'âge à partir duquel il n'y a plus d'échecs et d'épreuves qui ne doivent être aussitôt convertis en cadeaux. C'est l'heure de l'être. Moi seul connais le rite secret, moi seul les prends par la main.